Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codalia. Je vous propose aujourd'hui qu'on revienne sur les lectures du mois de février. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup. Puisqu'on va parler d'un roman terminé, d'un roman abandonné et d'un roman en cours. C'est parti! Tout d'abord, parlons du roman terminé. Il s'agit de celui-ci, donc Le Royaume Immobilis, le tome 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pevel. Là, vous avez une édition chez Brajlon, mais il se trouve que moi, je l'ai écouté en livre audio que vous pouvez trouver sur Audible. Nous sommes toujours dans l'univers fantasy féerique du Paris des Merveilles, c'est-à-dire que nous avons un Paris de la Belle Époque du début du XXe siècle, mélangé avec de l'urban fantasy, où nous avons le petit peuple, des fées, des elfes noirs, des dragons, etc. Mais à l'époque de 1910-1911. Nous retrouvons notre duo de choc, donc Louis Griffon et Isabelle de Saint-Gilles, dans une nouvelle aventure. Dans ce livre, nous avons encore donc des complots entre les cercles de magiciens, entre les Sian, les Grenats, etc. Nous avons une intrigue qui touche au petit peuple, donc à la reine des fées notamment, donc à Méliane, et pas que, il y a évidemment la reine noire, donc sa sœur jumelle qui rentre en jeu. Il y a plein de choses qui se passent dans ce roman, et nous sommes totalement dans la suite logique donc des deux premiers. Nous retrouvons avec plaisir nos deux personnages récurrents, nous retrouvons avec plaisir cet univers vraiment hyper coloré, presque addictif. Moi, j'étais à chaque fois très contente de retrouver ce Paris des Merveilles, et sincèrement, c'est un univers que j'aurais vraiment plaisir à retrouver encore et encore et encore. S'il pouvait y avoir une série de 10, 15, 20 tomes, je signerais tout de suite. Bref, c'est une série que je ne peux que conseiller, puisque voilà, ça mêle des intrigues policières, ça mêle des intrigues autour des personnages, des intrigues autour de la magie, de peuples voilà, qui sont super intéressants, donc des elfes, des dragons, etc. Mais d'une façon complètement différente de ce qu'on peut voir dans de la fantasy vraiment medfan totalement traditionnelle. C'est toujours narré, en tout cas sur Audible, par Maud Rudibose, dont j'adore le travail. Elle a vraiment une partie prenante dans, je pense, le plaisir que j'ai pris en lisant, en écoutant ce livre. Pour moi, elle est tout aussi importante que le style de Pierre Pevel, qui est toujours aussi fluide, toujours aussi dynamique, toujours aussi vraiment délicieux à écouter et à lire. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Parce que oui, il s'agit d'un tome 3, comme je vous ai dit, mais il y a une suite, on va dire suite et non suite. Il s'agit de ce bouquin-ci qui va, je pense, faire partie de mes lectures, en tout cas cette année. Je vais peut-être pas forcément le lire tout de suite parce que j'ai envie de faire durer le plaisir, mais vous avez ce livre-ci qui est en fait une espèce de spin-off, un recueil de nouvelles qui se passe dans l'univers du Paris des Merveilles. Alors, Pierre Pevel n'est pas le seul à écrire des nouvelles dedans, donc nous avons trois autres personnes, il me semble, et évidemment toujours cette couverture somptueuse de notre ami Colliandre. Je disais trois, mais en fait, il y a quatre autres auteurs donc, qui ajoutent leur plume et leur pierre à l'édifice donc du Paris des Merveilles, et voilà, donc ce sera sans doute une prochaine fois dans un prochain point lecture. Maintenant, on va passer à, malheureusement, l'abandon du mois. Je vais pas vous faire patienter trop longtemps. Il s'agit du tome 1 de La Roue du Temps, c'est de Robert Jordan, et ceci est toujours chez Brajlon. Voilà, donc j'ai lu à peu près 140 ou 150 pages, donc assez pour en tout cas me faire un avis, mais tombé des mains, j'ai pas accroché du tout à ces 150 premières pages, d'autant que c'est un tome 1 de je sais plus combien, il y en a une vingtaine de tomes derrière, et j'ai vraiment pas accroché, que ce soit au personnage, à l'intrigue. Ça m'a paru très bateau comme histoire, et aussi l'univers est extrêmement patriarcal, et je pense que c'est pas foncièrement ce que j'ai envie de lire en ce moment. Ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel sur pas mal de points, notamment donc on retrouve notre héros principal, Rand, et son père qui est veuf. Enfin, c'est juste une petite anecdote, mais on parle de leur maison où ils habitent tous les deux, et comme donc leur mère est morte, évidemment, le ménage laisse à désirer, personne ne s'occupe vraiment de la maison, même si on sent que c'est un petit peu chaleureux quand même, il fait bon vivre dedans, mais on note quand même un problème au niveau de tenue de la maison. Ok, super. Donc voilà, on continue dans des clichés éculés et que voilà, j'ai plus forcément envie de voir. Des personnages féminins, il y en a quelques-uns, mais pour l'instant, dans ce que j'ai pu lire, peut-être que ça s'arrange par la suite. J'espère que ça s'arrange par la suite, parce que pour l'instant, sincèrement, c'est ou des chieuses ou des love interest, et voilà, ça m'a pas branché. J'en suis juste après en fait l'événement déclencheur de l'intrigue, et je me prends pas d'affection pour les personnages principaux, je me prends pas d'affection pour l'univers, donc je me dis
autant arrêter les frais tout de suite, il y a peut-être d'autres bouquins à lire plus intéressants. Après cet abandon, on continue avec ma lecture en cours. Il s'agit du tome 1 de Midnight, ça s'appelle Le fantôme près du lac et c'est de Christelle de Bailly. Alors Christelle de Bailly, peut-être que vous en avez entendu parler si vous suivez mes dernières vidéos. C'est une youtubeuse, auteur-tubeuse que j'ai commencé à suivre, que j'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, si vous écrivez et si l'écriture vous intéresse, je vous encourage très fortement à aller voir sa chaîne que vous trouverez ici en barre d'infos parce qu'elle regorge de pépites et elle regorge aussi de conseils super intéressants et super entraînants, inspirants, etc. Enfin, franchement, c'est une chaîne dont je ne rate plus aucune vidéo parce que c'est vraiment toujours hyper qualitatif. Alors, il se trouve que Christelle se lance donc dans de l'autopublication. Là, Midnight, c'est son troisième livre. Elle a déjà sorti deux autres bouquins donc qui sont sortis avant, qui sont disponibles ou bien sur son site internet ou bien directement sur Amazon. Et donc, j'ai été la voir pour acheter donc son premier roman, enfin son troisième du coup, mais son premier roman donc de la saga Midnight, qui est un roman fantastique young adult. Je vais pas trop vous en révéler parce que j'en suis à peu près une trentaine de pourcents, mais pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup cette lecture. Comme je disais, c'est un roman de young adult fantastique et nous sommes donc dans la petite ville de Midnight où il fait un temps de shot. Il pleut tous les jours depuis des semaines, c'est vraiment la panade et il se passe quelque chose de vraiment bizarre autour du lac qui inonde toutes les maisons aux alentours. Il y a des gens qui disparaissent, des gens qui meurent, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a une espèce d'aura maléfique et un peu surnaturel. Le personnage principal qui s'appelle Joaline, qui est une lycéenne qui a le plus lambda possible. C'est vraiment le genre de pain beige du lycée qui regarde les autres de haut, etc. Donc à première vue, c'est pas forcément le personnage auquel on se dit je vais m'attacher le plus. Mais il se trouve que dès les premiers chapitres, Joaline décède et se retrouve à Midnight sous la forme d'un fantôme. Je n'en dis pas plus puisque c'est là que démarre vraiment tout le roman. Pour l'instant, comme je vous disais, c'est une très bonne lecture pour ma part. Et je n'en dirai pas plus, je réserve mon avis pour le prochain point lecture. Voilà, ce point lecture est terminé. Vous avez vu, il est plus court que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Il y a peu de livres, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser ici en commentaire là-dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents bouquins à écrire. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Thank you.